Vendeuse de vie, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne qui est désormais la vôtre. Je suis Nadia, je suis mariée, maman de deux enfants. Je suis également auteure du livre 9 mois avec Dieu et du blog www.9moisprécieux.com. Alors, au travers de mes vidéos, je veux vraiment fortifier, exhorter, encourager toutes les femmes enceintes à vraiment vivre leur process en étant tout près de Dieu. Alors aujourd'hui, en fait, je veux simplement nous encourager en nous disant que l'inconfort qu'on peut ressentir lorsqu'on est enceinte peut être un bon carburant qui va nous pousser à chercher Dieu comme jamais. Alors pour ceux qui le savent, en fait, j'ai eu une première grossesse totalement catastrophique. Par contre, la deuxième grossesse, elle était juste génialissime. Il y a des mamans qui n'ont vraiment pas de problème par rapport à la grossesse et à la maternité. Si c'est vraiment ton cas et que tu as eu des enfants, tu n'as pas eu faire de fausses couches, tu n'as pas eu de complications, tout s'est bien passé, je t'invite à faire une pause à cette vidéo, à prendre une seconde, deux, trois, quatre, cinq, pour dire merci à Dieu parce que c'est vraiment une grâce. Et pour moi, par exemple, je sais par exemple que ma première grossesse était tellement traumatisante. Quand j'ai eu mon deuxième, quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, en fait, j'avais l'impression que ça n'allait pas parce que j'étais habituée, vous savez, aux nausées, aux vomissements, salivation, migraine, enfin... En fait, pour la première, j'ai eu la totale diabète gestationnelle, tout ménage d'accouchement, la totale. Et du coup, pour ma deuxième grossesse, en fait, je n'ai rien. Je n'ai jamais eu même pas une nausée, même pas une salive dans la bouche en trop, quoi. Et c'est vrai que des fois, je me disais, oh, non mais, est-ce que tout va bien? Est-ce que, même quand j'allais aux échographies, au début, j'étais un peu paniquée, je me disais, mais je sens tellement pas que je suis enceinte que je me demande, en fait, si c'est vraiment une vraie grossesse, mais si tout va bien. Ok, donc je veux juste encourager une maman, peut-être que tu as eu comme moi une première grossesse traumatisante et que je te dis juste que bon là, la grossesse on va d'abord attendre, même que je n'en veux plus. Je t'invite vraiment à demander au Seigneur vraiment est-ce que ta famille est complète. J'en parle d'ailleurs quand j'ai partagé un sujet sur le fait qu'être enceinte est d'abord une responsabilité spirituelle. Et j'encourage en fait les femmes à demander même à Dieu combien d'enfants, en moi est-ce que tu as mis, en moi quelle est la capacité, tu as mis la capacité en moi pour combien d'enfants par an. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc je vous invite à regarder la vidéo. En fait, je pense qu'elle vaut le détour. Donc comme je disais, en fait, pour une maman, peut-être que tu as connu une première grossesse traumatisante, mais de la même manière, en fait, que les enfants ne se ressemblent pas, les grossesses ne se ressemblent pas. Donc en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. C'est pas parce que les enfants sont hébergés dans le même ventre que la grossesse va se passer de la même manière. C'est totalement différent. Et Dieu fait grâce encore. Ok. Alors aujourd'hui, je veux simplement nous encourager. Vous savez, lorsqu'on est enceinte. On vit beaucoup d'inconfort dans notre corps. On vit vraiment beaucoup d'inconfort. On peut faire face au stress, aux inquiétudes, à l'anxiété, etc. Et moi, il y a un verset qui m'a beaucoup, mais qui m'a vraiment beaucoup challengée lorsque j'étais enceinte. C'est Jacques au chapitre 5, au verset 13, qui dit « Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. » Et chaque fois que c'était difficile et que je me disais « Mais Seigneur, comment je vais faire ?» Ce verset montait à chaque fois dans mon cœur et je me disais « Ah non, il faut que je prie. » Et ce verset me poussait vraiment à la prière. Je me disais, de toute façon, là, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas de plan B. Seigneur, je n'ai que toi et je m'attends à toi. Donc, c'est un verset que je veux partager avec toi, maman, aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles pendant ta grossesse. Ou même, ce n'est même pas lié à ta grossesse en elle-même. Peut-être que c'est juste les événements autour qui font en sorte que c'est extrêmement difficile. Retiens ce verset qui dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et si aujourd'hui, tu souffres émotionnellement, spirituellement, physiquement, sache que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est prier. Oui, parce que lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a plusieurs choix. Soit on décide de se lamenter, de se plaindre chez tout le monde. Soit on décide simplement de réfléchir, de cogiter, comment est-ce que je vais faire. Soit on décide de ne rien faire, ou soit on décide, comme Dieu nous le propose, de prier. Vous savez, lorsque Paul il a reçu une écharpe dans le dos, c'était très douloureux. La Bible nous dit qu'à trois fois, il a supplié Dieu, vraiment. Et lorsqu'il a supplié Dieu, Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et nous avons également le cas de Jésus à Gethsémani lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix. C'était tellement difficile que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, vous vous rendez compte? Et la Bible dit qu'il priait, il priait en fait. Et alors qu'il priait, la Bible nous dit qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Lorsque vous allez vous tenir à la brèche pour prier, lorsque vous allez vous servir de ce carburant, de ces inquiétudes, de ces anxiétés, de ces angoisses, pour courir dans la présence de Dieu, peut-être que comme Paul, les choses ne vont pas changer. L'écharpe que Paul avait dans le dos ne lui a pas été enlevée, mais il a reçu une paix surnaturelle. Alors que vous allez courir dans la présence de Dieu pour prier, la situation n'aura peut-être pas changé, mais l'état de votre cœur, en fait, par rapport à la situation, aura changé. Et c'est le plus important. Je crois vraiment qu'il y a une force surnaturelle que Dieu nous communique lorsqu'on va vers lui.
Et ce verset aujourd'hui pour moi prend tout son sens. La Bible nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset aujourd'hui pour moi, c'est un verset qui a tout son sens parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai expérimenté. Donc aujourd'hui, chère maman, je veux t'encourager. Peut-être dans tes souffrances, peut-être dans tes situations, par rapport à ta grossesse, par rapport à ton bébé, par rapport à ton foyer, par rapport à tout ce qui se passe autour. Je veux t'encourager à te servir de tout cela pour courir dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, car assurément, il te réserve la paix, il te réserve le courage, il te réserve la force et tout l'équipement dont tu as besoin pour mener à bien ce voyage jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à partager pour que le plus grand nombre de mamans soient bénies. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos car je publie chaque week-end sur ma chaîne. Donc d'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt !